Et bonsoir à tous. Ce soir, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'amour de soi, rentrer en amour avec soi et aller sur des terrains où on n'a pas l'habitude d'aller, expérimenter de nouvelles choses pour vraiment incarner pleinement qui on est, de développer de plus en plus notre essence, celle qui nous ressemble le plus. Et vraiment, il y a une citation que j'apprécie beaucoup, c'est celle d'un écrivain qui s'appelle Ralph Emerson, qui dit: N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et tracez le vôtre. Tracez votre chemin à vous. Et donc, pour tracer son chemin, pour parvenir à en fait aller chercher les clés de son propre succès, eh bien, il n'y a pas de secret, si ce n'est qu'il faut aller essayer, expérimenter, ressentir dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Voilà, essayer d'arriver à établir cet alignement, maintenir cet alignement, se rediriger pour revenir dans cette justesse, dans cette cohérence entre ces trois pôles. Et vraiment aller tout le temps vers ce qui nous appelle, ce qui nous porte, ce qui nous allume, hein, et essayer, réessayer, réinsister avec la joie, toujours la joie, la légèreté, l'envie de passer des instants de fun, des instants amusants. Et je pense que comme ça, en vivant des moments légers et faire des expériences plutôt faciles, en lien avec ce qui nous porte, avec ce qu'on aime, on arrive petit à petit à trouver les clés de ce qui nous correspond vraiment, en fait, ce qui nous permet de nous épanouir pleinement en fonction de notre singularité, de notre unicité. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que le monde a tellement besoin de ça. Le monde a tellement besoin de gens qui s'épanouissent pleinement et qui incarnent pleinement le meilleur de leur être, leur quintessence, leur essence véritable, leur profondeur d'être et avec leur spécificité et sans avoir peur de ce qu'on va penser d'eux, de ce que ça peut engendrer, etc. Juste en étant juste avec soi. Le plus authentique, le plus véritable, d'être le plus clair avec soi possible et le transmettre avec simplicité aux autres. Et je pense que le fait d'être spontané, d'être dans une sorte de simplicité et dans une recherche de joie et d'amusement, là où ça nous porte, où ça nous allume, eh bien, c'est là qui se résident les clés de notre accomplissement. Voilà. C'est ce dont je voulais simplement vous partager ce soir. Je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous dis à très vite.